Salut la bonne family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Là tout de suite, je me dirige à Tahiti Plage. Je vais à pied parce qu'il faut que je vous montre les conditions. Il n'y a plus de place pour se garer chez moi. Les gens galèrent pour se garer. Du coup, je suis obligé d'aller à pied. Et là, ma voiture, elle est là. Du coup, je disais, là, ma voiture, elle est là. C'est ma mère qui va... elle en aura besoin demain. Du coup, je peux pas la prendre. Sinon, après, le lendemain, quand je vais revenir, il n'y aura plus de place. Elle va galérer et tout. Du coup, je marche à pied jusqu'à Tahiti pour aller faire ma petite séance de sport. Et après, je rentre chez moi. C'est relou, mais c'est comme ça. Je dois faire avec. Je vais à pied. Je vais à pied jusqu'à Tahiti. C'est très relou. Et en plus, je l'ai fait hier. Je l'ai fait hier et gros, je vous cache pas que c'est assez stressant parce que je vais passer dans des recoins qui sont des recoins très sombres. Si on veut me faire un guet-apens, on me le fait facile. Hein. Facile. Là, c'est moi et mon courage. Mais encore une fois, j'ai pas le choix. J'ai raté trop de séances. Ceux qui m'ont vu avant, vous avez vu, j'ai maigré un peu. Et je peux pas accepter ça. Faut que je redevienne large. Du coup, la discipline est très demandée pour récupérer le physique que j'ai perdu. Ou améliorer le physique. Il est 19h11. J'ai fait la moitié du chemin. Il me reste l'autre moitié à faire. Et je suis arrivé à la petite salle que j'ai confectionnée. Je vais faire ma séance et je rentre chez moi. Yo yo la wagon family. Là je pars, je vais faire un shooting photo solo. Il y a un matériel là. Je vais faire un shooting photo pour le clip que je vous sors bientôt. Je pense d'ici là, quand vous verrez la vidéo, le clip il sera déjà sorti. Bref, c'est parti. L'équipe, c'est bon, j'ai réussi à faire le shooting photo. Je vais vous mettre les photos là, de toute façon, vous allez voir. Là, je suis avec mon pote, on fait du sport. On fait du sport et après, on va faire autre chose. Là, gros, ce qui se passe, attends. Tu vas faire. Le plus important, c'est que tu contrôles. Là, pense pas à réussir à. Tu n'arriveras pas à faire de traction. Ça fait longtemps, tu n'as pas fait et tout, tu vois. Essaye juste de contrôler la descente. Même si tu triches pour monter, vas-y, essaye. Vas-y. Tu descends tout doucement. Là, lâche. Lâche. Tu recommences. Tu recommences. Tu sautes. Tu descends tout doucement. Même si c'est pas bien fait, tu lâches. T'en fais 5. Tu remontes. Non, monte bien. Saute. Quitte à sauter, il faut que tu essayes d'avoir la tête là-haut. 1, 2, 3. Saute. Là, tu descends tout doucement. Voilà. Stop. Tu lâches. Ah, ok. J'arrive, c'est à moi. Frérot, t'es au courant que tu vas pas assumer? Tu vas pas assumer? Non? Tu vas pas assumer l'entraînement? En plus, tu vises mal, de ouf. C'est une dinguerie. Bref, filme-moi de dos. Le frérot, je l'ai mis ça, il n'arrive pas à soulever. Alors que moi... C'est à cause des tractions, frérot. Ah. Non. C'est bon? Ouais. Tu le sens où? Partout. Tu sens. Partout, c'est juste. Ok. Et sache que là, c'est que le début. C'est pour ça que je te disais de ne pas courir. Parce que si tu cours, tu vas le sentir. Maintenant, tu comprends? C'est parti, on continue. Il y a un truc. Je sais pas. Ça sert à rien là, tu vas te buter, gros. Arrête d'être surexcité. Tu vas te la buter. Et si tu fais ça, t'arriveras plus à rien. Regarde-moi ce que je te donne là, t'arrives pas à le faire. 4, 5, c'est parti. 1, 2, 3, 4,
Doucement, il faut que tu contrôles. 5, tu bloques. 1, 2, 3, 4, 5, tu lâches. Ressenti. Ressenti. Ah, partout. L'équipe, là, des possibilités que je pars bientôt pour Maurice. Mais je tenais à vous dire que, vous savez, genre, le séjour que j'ai passé ici, à mon retour de Maurice, j'ai grave kiffé, j'ai fait des rencontres de gens. Déjà, même à Maurice, j'ai fait des rencontres de gens. Bah, authentiques, authentiques, vrais. Et ici, c'est la même. J'ai fait des rencontres de gens. Par exemple, M.Wash, certes, c'est un charreau. Certes, c'est un charreau, mais c'est un mec bien. C'est un mec vrai. J'ai rencontré Achour, My Game, tout ça. L'équipe. J'ai pu tisser un peu plus de liens avec des gens comme Jenad, Khalifa, ça. Et qui d'autres. Oh, j'ai pu retrouver mes potes. Mes potes d'enfance. J'ai rencontré un Rwandais. Il me semble qu'il est Rwandais. J'espère que je ne me trompe pas, Prince. C'est celui avec qui je faisais du sport. Non, franchement, j'ai kiffé. J'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé. J'espère que ça va pas se perdre de vue. Après, c'est un peu normal. Vous savez, moi, quand je perds des gens de vue, je le prends pas tellement mal. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. On avance. Chacun a ses objectifs. Chacun a ses trucs, tu vois, ses projets. C'est ça qui fait que on finit par se perdre de vue, tu vois. Ou toi, tu es tellement focus sur ton truc, ton projet à toi, que t'accordes peu de temps aux autres. C'est pas négatif, moi je trouve que c'est pas négatif, chacun ses trucs. Mais bon, bref, c'était un petit message comme ça. Je voulais m'ouvrir un peu, parler à cœur ouvert. Wow, what?